Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve à ce beau croisement de route et nous partons pour Combe pour la suite de notre quête où nous devons demander de l'aide à ce village voisin. Donc, c'est parti, on continue notre aventure. Vous voyez, donc là j'ai mes épaulières, j'ai mon nouvel équipement, un petit peu neuf et un petit peu mieux, surtout. Voilà, voilà. Donc, on continue notre épopée. Notre épopée, et nous allons arriver à Combe. Pour demander de l'aide à ce village, car c'est pas du tout par là. Si, c'est par là, Combe. Oh, mais c'est le plateau noir, ça. La seule porte d'archer est fermée. Archer ne peut recevoir aucune aide. Donc, je ne peux pas passer. Donc on va regarder notre journal de quête et nous allons voir tout de suite comment il veut que je passe. Ah non, oui d'accord, ok. Donc là, comme je suis venu ici, à mon avis, que la route devant est au niveau de la porte et qu'Archer ne bénéficiera d'aucune aide. Donc il faut qu'on retourne voir notre ami, qui sera bien triste à mon avis de savoir qu'on ne peut pas avoir d'aide. Mais il y a peut-être un autre moyen de s'y rendre. Donc c'est parti. Nous allons voir ça tout de suite. Tout de suite. Donc ouais, donc je pense que je vais vous proposer des épisodes de 25-30 minutes chacun. Vous en aurez un tous les jours. Parce que j'ai envie d'en faire un tous les jours, j'ai envie d'avancer dans l'aventure. Et puis bah si ça devient lassant pour vous, vous me dites. Hein. Il faut immédiatement que j'écrive à Fougerie. Voilà voilà quoi. Ok, donc là il faut que je retourne voir Fougerine parce que ça va pas du tout. La route Restez est bloquée. Un peu. Donc il faut que je retrouve Walt, Bill, Dunn et machin. D'accord. Et en plus j'aurais pas mal de choses. J'ai acheté une épée absolument pour rien. C'est souvent comme ça dans les MMO. Lui, qu'est-ce qu'il a approvisionnement? Oh, il vend de simples potions. Donc il faut que j'aille là apparemment. À mon avis, c'est ceux que j'ai vus morts. Sur le bas-côté. Donc oui, je disais, je vais vous faire des épisodes de 25-30 minutes en essayant de dynamiser un peu tout ça, parce que c'est vrai que les MMORPG, le problème, c'est que c'est beaucoup de va-et-vient et de beaucoup de marches, surtout au début. Donc j'ai essayé de vous parler un maximum et de pas vous laisser en plan. Alors, examen du corps, sans vie. Oh, le pauvre, il est mort, non. Oh, c'est triste, quoi. C'est par les brigands du plateau noir. Ok, l'autre, il doit être là-bas. De toute façon, c'est ceux qu'on a vus tout à l'heure. Ceux qu'on a vus tout à l'heure. Voilà. Donc là, vraiment, c'est les brigands. C'est les bandits. Oh non, lui aussi, il est mort. C'est pas possible, c'est horrible. Encore le plateau noir. Et enfin, le dernier. Eh ben d'ailleurs, il y a quelqu'un du plateau noir. Donc, on va la tuer. Elle ne pose aucun souci. Ça va tout de suite tester notre nouvel équipement. Qui est plutôt efficace. Et enfin, le dernier, Walt Blessine, qui est mort lui aussi. Tous nos ouvriers agricoles sont morts. Oh non, elle est morte. Alors apparemment, là, il y a quelques brigands. La nuit? Eh ben, vous voyez, je ne savais même pas... Eh ben, on va faire cette belle quête de nuit, non? Non, c'est pas de nuit. C'est vrai que pour l'instant, j'ai... Non, c'était pas la nuit. Moi, c'est bizarre. Petit problème de... Chabula, c'est bizarre. Ouais, je sais pas s'il y a la nuit dans ce jeu. S'il y a la gestion du temps, jour-nuit. J'en ai aucune idée. J'ai pas d'heure. Je vois pas d'heure. Ouvrir la quête. Cliquer pour passer en mode... Ah bon, ouais, ça c'est le magasin. Si vous désactivez la bourse. Améliorer monnaie. Supprimer limite d'or. Lever la limite d'or. Débloquer toutes les monnaies. Acheter des livres de résurrection. Ouais, d'accord. Bah, c'est vrai qu'on peut... Alors, c'est un free-to-play. C'est un free-to-play, certes. Mais j'espère vraiment que le gameplay du jeu... Enfin, la profondeur du jeu n'est pas gâchée par le fait de pouvoir acheter des armes et tout ça. Comment puis-je vous aider ? Grâce à des euros. Alors, moi, je veux bien une lame. Je veux bien une lame. Je vais vraiment avoir deux épées. On va faire comme ça.
Donc ouais, j'espère que le jeu n'est pas gâché par ça, parce que ça serait bien dommage. Alors elle fait 6-10, elle fait 6-10. 4-3 DPS, portez vos chances de toucher, augmente légèrement. Je sais vraiment pas laquelle est moche, laquelle est belle. Voilà, je préfère celle-là. Ça me fait deux vraies épées. Donc oui, j'espère vraiment que le jeu n'est pas... ne souffre pas de ça. Parce que ça serait vraiment dommage. T'imagines, ouais, franchement ça serait vraiment dommage. On va essayer d'XP un peu en même temps, pour donner un peu d'action au début là, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de marche. Là faut que je retourne à archer pour retourner voir Mister le capitaine hein, qui voulait pas nous écouter au début. Donc on est reparti, on va essayer de vraiment limiter la marche bête et méchante. Donc là je pense que je vais vous proposer la voûte, vous verrez de toute façon. Si vous voyez cet épisode, si vous avez vu l'épisode 2, je vais vous mettre les deux épisodes, épisode 2 et épisode 3 en même temps. Pour avoir un maximum de contenu quoi, essayer d'avoir un bon let's play, qui est plutôt pas mal. Et puis après, voilà quoi. J'espère que cette série va vous plaire. Bon, c'est vrai que c'est le début, hein. Toujours un peu calme les débuts du jeu. Pas très mouvementé, long. Les tacticiels, tout ça, les trucs d'aide, on vous explique comment ça marche. Et ils sont plus rouges là, ils sont... Ah, je peux lui parler? Ah non, c'est la personne qui est derrière. Ils sont orange, donc ça veut dire qu'ils sont un petit peu moins forts. Et que j'approche... Alors j'ai vu qu'aussi qu'on pouvait avoir des montures dans le jeu. J'ai vu des vidéos où on avait des montures, des chevaux. Donc ça doit accélérer quand même le truc parce que c'est vrai que c'est bien mignon tout ça, mais... Alors est-ce que moi je m'appelle Desan du Condor? Je pense que oui, puisque j'ai aussi mis ça comme titre. Ah, qu'est-ce que je fais? Ah vous voyez, j'ai acheté ça m'a servi strictement à rien puisqu'ils en ont donné. Comment ai-je pu me tromper à ce point? Et même des protections d'épaule, j'en ai acheté pour rien. Et celles que j'ai achetées, elles sont plus pourries. Je fais n'importe quoi. Je suis très mauvais. Et je suis absolument... Ne perdez pas d'espoir. Demandez aux chasseurs exilés de venir aider. Ok. Donc, comme j'ai fait strictement n'importe quoi... on va aller revendre les objets que j'ai achetés pour rien. Vous cherchez quelque chose? Pour au moins perdre le moins d'argent possible. Parce que c'est vraiment bête de ma part, j'ai fait n'importe quoi. Alors les pots je les garde parce qu'on sait jamais, des fois ça permet de faire de l'artisanat et c'est important. Donc ma quête, je dois demander aux chasseurs exilés de venir en aide à Archer. Le chasseur exilé, apparemment il est par là, donc il doit être à la prison, un truc comme ça. Pas du tout, il est à l'extérieur de la ville. Il est au pavillon de chasse. Donc là, ouais, l'intro, c'est vraiment beaucoup de marche, hein, je suis vraiment désolé. Attendez, en attendant, on va regarder un peu ici. Déluge de coups, augmente votre vitesse d'attaque, augmente. Et coude à coude, passive, j'en ai pas. Écoutez, on va les prendre. C'est toujours important d'avoir plus de... Alors ça veut dire quoi? Il me faut 3 attaques, dégâts. Ok. Donc on est parti pour le pavillon de chasse en espérant qu'il nous aide dans notre périple. Parce que bon, Archer est quand même dans... une mauvaise posture avec tous ces brigands et ces bandits du plateau noir. Donc on continue notre périple long. Il va se faire les cuisses à force de marcher celui-là. J'espère bien avoir un cheval assez vite parce que c'est vrai que la terre du milieu c'est vachement grand. Ah, on va XP un peu là, un petit peu d'action en même temps.
Allez, c'est parti. C'est celle-là. Allez, tue cette mouche là, c'est qu'une mouche. Hop là. Elle ne donne rien. Génial, j'adore. Alors là, j'ai des trucs. Ferveur de champion. Sérénité. Et ça. Par contre, l'eau est vachement bien faite, je trouve. Bon, oh, ça fait de l'eau un peu. Ah, oh, il nage le crawl. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Avec un casque. Il sort, vas-y. Et il nage vraiment comme les nageurs. Il sort la tête de l'eau. Donc... Il prend sa respiration. Donc là, je suis bientôt au niveau 6. Hein, ça avance pas mal au niveau des niveaux quand même. Hein. Au niveau des niveaux. Hein, c'est plutôt bien. Ouais. Ça avance vite. C'est quand même bien parce que... On puisse au moins... Mais bon, j'aimerais bien quitter un peu cette contrée d'archers. Pour pouvoir visiter un peu... Petit excrément. Ah, on peut rentrer. Ah bah vous voyez, je savais même pas qu'on pouvait rentrer. Eh bah écoutez, on va rentrer. Pavillon de chasse. On va voir en même temps les textures de l'intérieur qui chargent. Plutôt sympa, plutôt sympa. En plus, le bonhomme apparemment est là-bas. C'était qui que je te demandais? Ah, voilà, Fougerie. Ça doit être son frère. Hop, écoutez, on va faire ça par un pavillon de chasse. Voilà. Alors, hop. J'imagine que vous m'apportez de mauvaises nouvelles de la ville. Calder Signul a enfin montré son vrai visage. Voilà. On va mettre celles-ci. Oh, qui m'ont l'air de... qui sont déjà beaucoup plus jolies et qui sont beaucoup mieux. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Voilà, et il a encore une quête pour moi, c'est ça? Non. Très bien, laissez-moi... Je devais juste lui parler. Alors, parlez à l'octroyeur de quête pour terminer cette quête. Vous devez acheter cette quête pour le mag... Voilà, ça, vous voyez ça, déjà, ça... Alors, si je vais débloquer pour voir... Par simple curiosité... Ça vaut 10... Vos points... J'ai 510 points? Eh ben écoutez, on va essayer. J'ai 510 points. Ah ouais. Comment avoir des points? Et donc, il y en a des quêtes. Il m'a donné un corps. Alors, à quoi il sert ce corps? Voyons voir. En soufflant dedans, ce corps que vous avez mis, ouais, d'accord. Ah ouais. En fait, ça gêne tout simplement les autres personnages. Enfin, les ça étourdit apparemment les monstres. Enfin, les monstres. Pas plus à des monstres. Voilà, donc apparemment... Ah, mais attendez, ça se trouve, je fais une erreur. C'est que je peux peut-être... Ah, non. Parce que des fois, on peut effectuer un clic droit. D'accord. Oh! Oh oh! Oh oh oh! Alors où suis-je? Moi je suis dans le pays des bruits. Oh si, j'ai trouvé comment dézoomer encore plus. Alors comme ça on va vous montrer un peu tout ça. Voilà, carte de la terre du milieu. Donc moi je suis. Je sais pas où. Mais qui suis au moins, c'est le principal. ok. Alors moi je suis. Ici, vallée d'archer, vous voyez, je suis là. Folie, hein, moi je suis ici, archer est ici. Ok, ok. Ok, ok, non, bah, la carte a l'air bien grande. On va, il faut que j'aille où, là? Intro, le monde des ténèbres. Tuez les brigands pour vous glisser dans leur rang. Rassemblez les informations sur l'attaque imminente des brigands du plateau noir. D'accord, donc là, je dois, me... m'infiltrer dans leur camp. Donc c'est parti, il va avoir un peu d'action. Ça sera un peu mieux pour vous. J'espère bien.
Oh, je lâche le crawl, attention. Je lâche le crawl. Continuons. Donc il faut vraiment qu'on arrive à libérer cette ville d'archers. Ah, excusez-moi parce que mon casque est mal mis. Voilà, c'est mieux. Donc bah écoutez, on continue notre périple. Donc apparemment il faut que j'en tue 4. Donc c'est parti. Ça va être un jeu d'enfant. Hop là, tenue. Alors apparemment j'ai zappé comme un naze. Tenue. Et ben tenue, vous savez quoi? Je sais pas ce qu'il faut faire parce que j'ai fermé le truc. Ah, peut-être sur lui. Non. Écoutez, je vais en tuer un autre parce que là, rassembler des informations sur l'attaque imminente des brigands du plateau noir. Faut que je tue des brigands, c'est des brigands que je dois tuer. Il y en a ici. On verra quand j'aurai un tué 4 ce que ça donnera. Pour l'instant, je vais tuer les 4. Après, on verra. Si vous voulez passer sur la même couche qu'un autre joueur, je... la co- à une communauté ? Alors, je ne sais pas si eux ça marche. Parce que c'est une cogneuse. Ah, c'est bon, ça a fonctionné. Voilà. Donc, ok. Maintenant, que dois-je faire? Que dois-je faire? Apparemment, je peux me changer et m'habiller. Le problème, c'est comme un naze, comme un croc un naze. Je peux avoir une maison aussi. Ça, c'est cool. Ça c'est vraiment cool parce que ça pousse un peu le truc. Ce que j'aimerais vraiment. Trop requête du calme. ce que j'aimerais vraiment, bah c'est. Parce que apparemment, il faut que je. Comment ? Que je m'infiltre chez eux. Mais là, si je rentre comme ça. Je suis complètement grillé. Alors attendez. Tac. Bah non, écoutez, moi je vais continuer. Hein. Bah non, vous voyez, je suis grillé parce que l'autre m'a attaqué. Ouais, j'ai pas laissé. Alors on va aller voir au niveau de l'aide en ligne. Et j'espère vraiment. Non, aide en ligne. C'est pas vraiment ça. Ouvrir sac. Ça m'aide pas non plus. Biographie. Il va me faire une biographie de son. Loisir. Bon, c'est pas ça que je cherche. Ne nous éparpillons pas. C'est pas ça du tout que je cherche. Je cherche vraiment. Apparemment, il faut que je me change. Alors, elle, voilà, je suis complètement grillé, je comprends pas. Il y a écrit qu'il faut, au niveau de la tenue, mais quand je vais là-dedans, tenue, il n'y a rien d'exceptionnel. Nous sommes d'accord, les amis, nous sommes d'accord. J'ai rien d'exceptionnel. Ça m'embête bien tout ça. Ça m'embête bien tout ça parce que je n'ai pas lu. Et à mon avis, si je rentre,
Je suis juste mort. Donc je suis un fou. J'y vais. Je suis un vrai malade. Alors attendez, lui je vais le tuer. Non parce que j'ai aucune idée, je fais absolument pas comme il faut. Mais c'est pas grave. Non, il est niveau 7, on va peut-être pas l'attaquer lui hein. Bah ouais, mais pour rassembler des informations, il faut vraiment que je fasse partie du truc. Comment il a fait lui? Qui va se faire un tête? Bah non, il s'est pas changé non plus lui hein. Alors attendez, parce que je crois que j'ai pas été jusqu'au bout de... Voilà. Nickel. Bon bah c'est bon alors. Bon, y a aucun souci. Je peux rentrer, je peux rendre ma quête. Malheureusement, je crois que je dois aller jusqu'à là-bas, encore une fois. Je suis désolé de ce périple très... en marchant comme ça. Mais je suis obligé de passer par là. Pour vous proposer un vrai let's play quoi. Je le tue par derrière lui. Hop là. Comment ils nagent les petits hobbits? Oh ils font du crawl aussi. Bravo. Alors attendez. Nous on va être un petit peu plus intelligent. On va couper par la terre. Ça va plus vite de courir que de... Ha. Vole tout des pieds velus. Ça, c'est pas tout de le dire, mon garçon. Donc, non, il y a pas mal de joueurs, apparemment. Il y a pas mal de joueurs, donc on va quand même pas mal s'amuser. On va pas être tout seul. Alors, on va rentrer dans le pavillon de chasse. Et on va rendre notre quête et voir ce qu'il faut qu'on fasse pour délivrer Archer de tous ces brigands. Bon travail, l'ami. Donc ouais, moi je vais prendre ça. Ok, parlez au vieux sentier. Partez. Parlez. Non, parlez. Parlez du vieux sentier de l'Est. D'accord, donc apparemment il y a un sentier par lequel on peut passer pour déroger au... Il est absolument horrible ce casque. C'est pas grave. Pour éviter les malencontreux brigands. Donc c'est parti, on va continuer notre périple, et il est là. Il faut que je tue des araignées sur le vieux sentier de l'Est, vérifier que le mur est intact. Ok, donc apparemment il faut passer par ici. Donc apparemment on va contourner les brigands, et donner un peu de... Oh mais t'es moche toi. C'est quoi son truc? Il est quoi? Je veux pas savoir ce qu'il est. Commencer un échange sécurisé, inspecté. C'est un ménestrel? C'est complètement inutile d'être ménestrel. C'est moi qui vous le dis, moi. Faudra m'expliquer vraiment l'utilité d'être un ménestrel. Je tape avec mon lutte. Non, c'est complètement nul. Merde. C'est complètement pourri. Tiens, je t'envoie des notes de musique dans la gueule. Ah mais faut m'expliquer à quoi ça sert. Hein? Depuis quand l'anneau a été ramené grâce à un luth? Bon, à cause de lui, je tue pas d'araignée. Donc... Je vais attaquer les autres. Parce que vu qu'il me prend mes... Et balaboum! Niveau 6, donc là c'est bien, je vais prendre pas mal de niveaux. Voilà, j'en ai tué une. Il m'en faut une autre, mais je crois que celle-là... Oh! Elles empoisonnent. C'est ça le problème des... Des saloperies d'araignées de merde. Oh! Là je vais lui enchaîner la tronche. Ah là, je les rate tous là. C'est moi, il l'a pas tué. Il faut que je vérifie si le mur est bien intact. En top dessus. Ok,
Nickel. Maintenant, je vérifie que le mur est bien intact. Qu'il a pas de soucis. Et ça sera bon, les amis. Ça doit être ici, à mon avis. Ok, tout va bien. Donc, on retourne voir John Fougerine. Ça va, c'est pas trop loin. Et puis, nous allons bientôt arriver à la fin de notre troisième épisode. Je retourne voir notre ami, le chasseur. Et nous avons arrivé donc à la fin de notre troisième épisode. Et nous sommes toujours pas sortis d'Archer, hein. Je suis déjà donc notre personnage niveau 6. Ça avance bien quand même. C'est parti. Hop. Donc j'espère vraiment que ce let's play vous plaît, parce que moi j'aime bien, je prends plaisir à jouer à ce jeu et puis à partager ça avec vous, parce que le RP est quand même là, c'est plutôt sympa, les histoires sont sympas. Donc moi j'aime bien, j'espère que ça vous plaît et que vous continuerez à le suivre sans aucun souci. Une impasse nous sortirait de ce pétrin. Tout à fait. Ah voilà, vous voyez, fiole de teinture bleu marine, verte olive, rouille ou grise. Alors comment je me fais? Ça pourrait être pas mal de se faire je sais pas quel. Je dirais mauve. Mauve non, parce que c'est dommage, rouille. Rouille, ça doit être rouille ça qu'on a. Écoute, on va prendre ça. Et d'accord. Bah écoutez. Vous venez d'enfin votre dernière quête de la série d'introduction. Très bien, voyez. Si vous avez d'autres quêtes en cours, vous devrez les afficher car ces quêtes ne seront plus disponibles une fois l'introduction achevée. Eh bien écoutez, nous aurons mis 3 épisodes entiers afin de mettre fin à cette épopée d'Archer dans la région d'Archer. Et puis, eh bien écoutez, je suis parti pour le voyage et nous nous retrouverons dans l'épisode 4 pour la suite de ce voyage. Et de ce périple des Seigneurs des Anneaux. Voilà, et ben je vous laisse et je vous dis à plus tard les amis et à l'épisode 4. Salut tout le monde!